Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel exemple d'appartement avec un budget raisonnable. On est à 51 900 euros et nous sommes dans la ville d'Épernay, donc dans la Champagne, donc ville tout à fait dynamique au cœur des vignes. Donc il s'agit, vous voyez, d'une vente occupée, je vous en parle souvent. Donc vous voyez, typiquement, si vous êtes chef d'entreprise, donc vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, donc vous achetez un bien déjà loué avec un locataire. Si vous êtes expatrié, vous voyez, vous n'avez pas de temps à consacrer, pareil, à la mise en place d'un locataire, vous avez des loyers qui tombent tout de suite. Si vous êtes un cadre pressé, ben voilà, ce genre de bien, avec un budget encore une fois raisonnable, peut tout à fait convenir. En tout cas, moi je pense que c'est une vraie niche. Si on regarde les photos, donc appartement rénové avec cour, donc c'est un plus d'avoir un extérieur. Donc on voit ici l'extérieur, donc c'est intéressant, c'est rare qu'on nous propose une vue, une photo de l'extérieur, donc ça c'est bien. La pièce de vie avec un canapé convertible manifestement, donc deux couchages dans la pièce de vie, cuisine équipée de manière tout à fait correcte. Et alors je ne sais pas s'il y a une chambre séparée, on va le voir dans l'annonce, en tout cas déjà la pièce de vie est pas tout à fait sympathique. Et la description, donc je propose à la vente un appartement situé petite rue de Champreau à Épernay, donc ça c'est rare aussi d'avoir l'adresse précise, 2 minutes du centre-ville et du marché couvert, c'est un point fort, et là vous voyez c'est actuellement loué 390 euros par mois, soit une rentabilité brute à 9,4%, donc on est à l'autofinancement, et la personne manifestement est un investisseur aguerri, puisque en Airbnb plus de 20%, donc... je pense à 800 euros par mois, hein, si mes calculs sont bons. Donc ça, c'est une information aussi intéressante. Ça veut dire que ce bien se prête à la location d'habitation, à la location meublée, non meublée aussi, puisque le vendeur nous indique que c'est possible de le vendre loué ou nu. Alors sans, ça veut dire sans locataire. Alors, en fait, il aurait dû louer ou vacant, c'est le terme précis, puisque nu, ça veut dire sans meuble. Mais voilà, loué ou vacant tellement il est sûr, cette personne, avec la fin de bail qui arrive, de revendre ou de relouer, pardon, facilement. Donc c'est quand même un signe fort. Taxe foncière 350 euros et pas de charge de copropriété, puisque vous êtes un syndic bénévole. Donc c'est les habitants, en fait, tout simplement, qui gèrent, il n'y a pas de frais de syndic. Rez-de-chaussée, pas de voisins au-dessus ni au-dessous, 27 mètres carrés, salon-chambre. Donc bah, en fait, c'est une seule et même pièce unique qui, voilà, qu'on a vue sur la photo. Cuisine, salle de bain, toilette et cour extérieure, table électrique neuve, donc pas de frais, double vitrage, très économe, cordialement. Voilà, donc bah écoutez, voilà un exemple concret à 51 900 euros d'un appartement, encore une fois, avec un extérieur. Je me demande si la terrasse que l'on voit fait partie de l'appartement ou si c'est un autre lot, mais si c'est le cas, bah c'est un vrai plus hein, d'avoir un bien avec un extérieur qui plus est. Ça peut être, pourquoi pas, une résidence secondaire dans un second temps ou par ailleurs, vous voyez, pas qu'un investissement locatif, mais ce genre d'abien est tout à fait rapide, rentable, peut-être améliorable du coup en passant à la courte et moyenne durée comme nous l'indique le vendeur, et même en l'état c'est tout à fait, voilà, ça peut s'autofinancer, donc reste à voir les lieux, l'environnement, mais bah, vu comme ça, ça, à mon avis, il faut déjà foncer et sauter dessus si vous êtes investisseur et si vous avez peu de temps à consacrer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous avez des commentaires ou des questions, à les indiquer ci-dessous, à indiquer votre mail dans le lien que je vous indiquerai. Vous recevrez comme ça d'autres mails et du contenu écrit cette fois-ci. À aimer cette vidéo aussi, si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples de ventes occupées, qui est un vrai filon à exploiter dans un marché où les biens rentables sont rares et de plus en plus chers, vu le déséquilibre entre la demande qui est forte et l'offre qui est faible. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.